Apparemment, les développeurs de ce jeu ont fumé. On fumait vraiment du bon shit sa mère qui vient directement du Maroc. C'est-à-dire qu'ils sont partis voir les développeurs et leur ont dit « Tiens, on te passe du cannabis, tu nous fais un jeu. » Et bon, ça a donné ça. Super liminal. Là, vous allez vraiment rentrer... Ah oui. At the Pierce Institute, our patent-pending SomnoSculpt technology provides safe and effective dream therapy while you rest in the comfort of our flagship clinic. Located right next to the secondary overflow parking lot at the University Medical Center. SomnoSculpt will make your dreams come true. Ah ouais, d'accord. En fait, on souffre d'insomnie. Ah bah ça, c'est bien ça. Ça, ça fait plaisir. En plus, moi, des fois, je suis insomniaque, c'est un truc de ouf. Pour ceux qui me suivent sur Instagram. Faut être rapide, là. Quoi? Ah, ça commence... Ça commence bien. Ok, vous m'avez eu. Alors là, les gars, franchement, et les meufs, perspective cavalière. Des fois, hallucination collective, hallucination visuelle, vous allez voir, c'est un jeu. Il rend fou. Donc là... Il se fout de... Mais vous foutez de moi ou quoi, là? Alors, ça, c'est... Je signe. Voilà, ça, c'est... Ouais, entre nous. Est-ce que vous avez déjà lu les conditions d'utilisation? Jamais de la vie. C'est bon, arrêtez de faire les... Arrêtez de faire genre, là. Ok, donc là, c'est un couloir. Très bien. En fait, on sait pas où est-ce qu'on est exactement. On est dans une institut... Un hôpital, il y a une caméra. Coucou! Ok. Ça marche, donc... Attends. Théma, tu regardes! Mais ça n'a aucun sens, ils ont fumé! Pff, c'est trop bien fait, je kiffe! Attends. Pff, c'est énorme, attends. Mais ça veut dire que... Ok, donc là, il est... Ok, donc si je me rapproche... Ok, d'accord. Perception... La perception et la réalité. Ok, c'est bon, j'ai compris. Vous pouvez pas m'avoir. Space pour sauter. Hop là, mais c'est le petit tuto, ça. Ok, donc là, c'est le même délire. Félicitations. Endormi? Welcome to SomnoSculpt. Your progress may be monitored by qualified specialists. This orientation will adapt you to eyelids, our interactive, lucid induction dream state in which you retain full consciousness and control. Ah ouais, d'accord. En fait, on dort, on rêve, mais en fait, on est pleinement conscient du rêve qu'on est en train de faire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Moi, ça m'est déjà arrivé de savoir que je suis en rêve. Enfin bref, là, je raconte ma vie, vous vous en battez les couilles. Maintenez clic droit pour pivoter. Ah ouais, d'accord, ok. D'accord, ok, ça c'est... Bah ça, j'ai compris ça. Il y a une issue de secours quelque part là. Ah oui, regardez. Hop. Voilà. Ah, je suis plus un génie, s'il vous plaît, là. Applaudissez mon intelligence, s'il vous plaît. Non, je regarde, c'est pas question d'intelligence, là. Faut être fou comme eux, en fait. No object beyond this point at all times. Genre, y'a pas le droit. Ah ouais. Ah, ça veut pas rentrer avec moi. Ah ouais, d'accord. Ok, ça marche. Bon, bah, ça marche. Bon, bah, je sors, alors. Ah, il faut que je pose un objet. Ok, faut que je pose un objet. Vas-y, viens. Voilà. On est là, t'inquiète. On le reprend, là. Pouf. Par contre, non. Là, ça va être compliqué. Attends. Mais je pourrais pas, là. Qu'est-ce qu'il me raconte? Ah si, je peux. Attends. Non, trop petit. Ah, c'est bon. Ok, d'accord. Donc là, on est bon. What? Confirmed. You can move freely, interact with surrounding objects, and listen to messages from your patient care team. Please note that I am the standard orientation protocol, and that my voice has been explicitly chosen to remind you that I am not a part of your patient care team. I do not care. Okay. Bah moi aussi, je m'en fous de ta vie. Regardez cette... C'est trop bien fait, hein. C'est un trompe-l'œil. Mais d'accord, c'est un trompe-l'œil. Oh, sérieux? C'est trop bien fait. C'est abusé. Comment est-ce que les mecs, ils ont pensé à faire un jeu comme ça? C'est incroyable. Je kiffe ce genre de truc. Donc là, pareil, on n'a pas le droit d'avoir des objets. Ok, d'accord.
Alors, viens avec moi, mon pote. Voilà, je vais te mettre là. Attends. Voilà! Là, on est bon, là! J'aime bien, il y a une petite musique d'ambiance. C'est posé, voilà. Qu'est-ce que ça me dit? Clic droit pour pivoter. Et pourquoi tu veux que je pivote? Ok, il doit y avoir une raison. Pourquoi? Il doit y avoir une raison quand même. Attends, attends, attends. Ça va pas me propulser ou un truc comme ça? Et je vais sauter, non? Pas du tout, c'est un bout de fromage. What? What? Ah ouais, d'accord. Carrément, c'est, ça va faire une rampe, quoi. C'est incroyable. Vas-y, encore. Attends. Wouah, mais faut... Why? Mais faut vraiment être dans la tête de ces fous, là. C'est quoi ce délire? C'est trop bien. Putain, non, si je suis encore trop petit. Oh, doucement. Je suis encore trop petit, là. Attends. Oh non, pas sur moi. Aïe, ça fait mal. Aïe, putain, jamais de ma vie j'aurais pensé utiliser un fromage comme trampoline. Voilà. Encore. T'as encore un petit peu, je crois. C'est bon, frère, non? Hop là! Voilà! Merci, bout de fromage! Vous réveillez en raison que c'est... Ah bon? Evidence. I have already informed you that this is a dream. You did not wake up. D'accord. Please complete the remaining orientation activities. Ouais, ça marche! Ok, ok. Il est minuit 05. Je peux pas me réveiller, elle m'a dit. Là, je suis en plein rêve. Je suis en plein... What? Ok, donc là, ok. Là, il est grand. Là, il est tout petit. Ok. Donc là, il est énorme. Ah ouais, ok, ok, ok. Là, il est tout petit. Ok, ok, ok. Je peux casser des trucs avec ça? Non? Ok. Là, je peux casser quoi? D'accord, ça se peut l'enlever. Ça aussi c'est le même système? Là, hyper grand? Ah ok, ok. Là c'est tout petit. Pouah, c'est incroyable. C'est incroyable. Ok, je peux bouger. Alors! Warning. You have deviated. Vous avez... Oui, mais parce que je suis un génie, je fais ce que je veux. Voilà. Merci. Ouais. Please use. Ouais, ça marche. C'est bon, arrête de stresser. Arrête de stresser, t'inquiète. C'est juste pour rigoler un peu. Ok. Faut que je mette un truc ici. Ah bah super. Oh, mais ça, c'est... ça rentrera pas si, c'est bon. Voilà. C'est bon. What? J'ai pété un câble ou quoi, allez? Et hop là. What? Ok, donc... Là, c'est un miroir, mais c'est pas vraiment un miroir, on est d'accord. Si, c'est un miroir, ok. Hein? Ok. Ça marche. Donc, logiquement, je dois poser ça là. Non, faut que je fasse comme ça. Ah, voilà. Là, ça devient plus petit. Voilà. Attention. Ouais. Ça passe là, non? Mais le dedans! Oui, non, mais. Non, mais attends! Mais... Voilà! Parfait! Oh là là! Il est trop bien ce jeu, c'est un truc de ouf! All environments perceived during eyelids should reflect a typical mental state. D'accord. If you believe your mental state was compromised by Somnasculpt, please provide a comprehensive rational explanation in your post-procedural survey. Mais c'est ta voix! Completed surveys may be eligible for a gift card. D'accord. Ah ouais, d'accord. Donc toi, tu me passes des V-Bucks pour me remercier. Qu'est-ce que t'es gentil. C'est incroyable. Ok, donc ça, on peut pas le faire passer. Ça, j'ai compris, on peut pas le faire passer. Ok. Non, sérieux? No items. Ok, donc faut que je fasse passer un objet. Faut que je fasse passer cet objet. Ah, ok, ok, j'ai compris. Ok, ok. Hop. Voilà, il va être énorme. Hop. Hop, poussez-vous!
Voilà. Poussez-vous. Voilà. Poussez-vous. Ouais. Faut que je fasse passer au-dessus. Oh la vache. Attends frère, faut que je te fasse passer au-dessus. Comment je... On peut pas le jeter. On peut vraiment pas le jeter. Voilà. Merci mon pote. Merci beaucoup. Allez, bon courage. Fallait pas qu'il soit aussi gros en fait, sinon je pourrais pas le... Ça c'est le cavalier ça. Ah ouais mon pote, cavalier, en L. On connaît, t'inquiète. What? Attends, là c'est la sortie. Attends, attends, je regarde un petit peu ce qu'il y a là. Attends, ça va trop vite là. Ok, donc là c'est la sortie. Là c'est encore le cavalier. Ok, il se fout vraiment de ma gueule en fait, c'est la même chose. Ok, c'est la même chose. C'est un labyrinthe. C'est un putain de labyrinthe. Ah ouais, d'accord. Quoi? Il n'y a pas d'objet carrément? Non, il n'y a pas d'objet? Il y a zéro objet? Ok. Ok, là, il y a vraiment zéro objet, quoi. Ah! Sérieux? Merde! Attends, attends, on réfléchit. Il n'y a pas d'objet. Ah! Ah! Ok. Parfait! Bien sûr qu'il y a un objet, voilà. Là, je fais la même chose. Ah non, merde. Je pensais vraiment que... Ok. Ah, c'est bon, j'ai compris. C'est bon, j'ai compris. Hop, on va le faire grandir. De sorte à ce qu'il appuie en fait sur les deux trucs. Vas-y. Voilà, c'est bon. L'intelligence dit mal, mon pote. Eh ouais. Hop. Il est trop bien ce jeu. En fait, ça fait vraiment réfléchir. Recevoir la reconnaissance pour avoir terminé. You did it. To maximize the time allotted for your therapeutic journey, ne pas tarder à traverser, please do not delay in proceeding through the final doorway as indicated. Ok, donc eux, ils veulent que je me dépêche pour de me casser, mais ils veulent pas que je sorte en même temps. Attends, il y a des... Attends, attends, il y a un truc bizarre, là. Il y a un truc... Attends, il y a des portes cassées. Il y a des portes cassées, mon pote. Hop, voilà. Et là... Non, mais c'est foutage de gueule. Foutage de gueule. Ok. Là, il y a quoi? Est-ce que je peux attraper quelque chose, là? D'accord, non, rien du tout. Ok, ok, vous jouez avec mes nerfs, ça marche. Eh, j'ai pas l'air quoi avec mon bout de fromage. Je te jure, c'est un truc de ouf. Défonce-moi ça, là. Ça, ça peut servir de rampe. Ok, mais là, y a pas assez d'espace pour que je puisse rentrer, là. On est d'accord, non? Alors, attends, on va essayer. Hein. Voilà! Parfait! Eh ouais, mon pote! Alors, attends. Tac. Alors, moi, c'est là. Vu que c'est marqué exit. Alors, moi, c'est là. Voilà, exit. Elle va me parler, la dame, là. Vas-y, parle-moi. What? C'est quoi ce délire? C'est moi comment il est le truc de chargement. Ah ouais, il est complètement plus déglingué quoi. C'est bon, je me suis réveillé. Ah ouais, je suis... 3 heures du matin. Ça, c'est l'heure du crime, ça, c'est l'heure d'un meurtre, ça, dans les films d'horreur. Ok. Donc là, j'imagine que c'est fermé. Tout est fermé. Voilà, super. Il n'y a personne, évidemment. 3 heures du matin. Ouais, faut... il n'y a plus de piles dans les... Dans l'horloge ou comment ça se passe? Ah, je vais boire, hein. Ouais, je vais boire. Voilà, merci. Fait plaisir. Ah non, tu veux pas. Ok. Y'a quelqu'un? Je suis arrivé à 3 heures du matin. Allez, c'est parti encore. Pour devenir fou. C'est quoi ça? On est dans un hôtel ou quoi? Push bar to open. Ah bah là, pour le coup, j'ai bien... Ok. What? Quoi? Oh non, mais c'est trop bien fait. Ce jeu, il est incroyable, on est d'accord. C'est quoi ça?
What? Wow, ça fait mal aux yeux. Là, mon cerveau, il est perturbé. Hein. Mon cerveau, il est grave perturbé. On dirait des décors de cinéma. La vie ne serait-ce qu'illusion, c'est ça? C'est ça le message de ce jeu? Je le savais déjà. Là, on va tourner en bourrique. Voilà, on va tourner en bourrique. Voilà, super. Non, il y a un truc à faire. C'est pas possible. Ok. Alors, attends. Dis-moi. Ouais, je suis pas trop fort. L'intelligence du mal, s'il vous plaît, elle est où? Elle est là. Hello. What? My name is Dr. Glenn Pierce, and I'd like to talk to you about being special. So special, in fact, that we have no idea where you are. Ah bah c'est bien. But not to worry. We're working on it. Super. Ils savent pas où je suis. Mais moi non plus, croyant, je sais pas où je suis en vérité. Attends, là on est où? C'est la même chose là. Ça, c'est la même chose, ok. Là, pour l'instant, tout va bien. Mais on est vraiment dans un hôtel. Ok, donc là, je dois passer par là. Très bien. Il me faut... Oh, c'est des peintures, ouais. Je me disais... Oh là là. Non, on me dit... Attends. Ne me dit... Mais non. Mais c'est trop bien fait. Mais c'est juste trop bien fait, on est d'accord. Incroyable. Vraiment incroyable. Encore la même chose. Ah, attends. Allez, donne-les-moi. Non. Attends. Faut avoir vraiment le bon angle de ouf. Là, il est déchiré. Oui. Attends. L'angle, là, il est un peu bizarre à avoir. Hein. Attends, je crois qu'il faut l'avoir déformé et puis il faut sauter pour l'avoir. Oh, c'est compliqué à l'avoir celui-là. Attends. Carrément, ils ont peint même la lampe ici. Ah oh, ouais, ils sont partis loin. What? Pourquoi on peut l'utiliser? C'est quoi ce délire? Putain, mais normalement l'angle il est bon là. Qu'est-ce qui va pas? Il manque un truc là à droite, mais effectivement, mais. Attends. Je peux pas mettre un truc ici pour obtenir l'image? Je peux pas faire décoller quelque chose? Attends. Non, y'a rien, sérieux? Parce que là, il manque une affiche, quoi. Il manque quelque chose. What? Pourquoi? En fait, je crois que je peux pas l'avoir, celui-là. Hein. Depuis tout à l'heure, je crois que je galère pour rien, en fait. Ça se trouve, on peut pas l'avoir. Putain, les bâtards! Oh, les chiens de la casse, tu vois ce qu'ils m'ont fait? Oh là là, bah oui, il manquait un truc! Évidemment! Putain de merde! Et voilà. Ah bah super. Alors là... Je vous... déteste! C'est un truc de fou! Mais eux, c'est des malades, hein! Faut pas jouer avec eux, hein! Hop. Vas-y. Ok. Le deuxième, il est là-bas. Quoi? Ah oui, d'accord, ok. Ah non, mais c'est des fous, hein. Attends, mais il suffit juste de pivoter ça comme ça, quoi. Mais c'est des malades. Je te jure, c'est des malades. Attends, mais ils ont fait ça comme si ça, c'était un escalier, quoi. Ah ouais. Attends, je veux la sortie. Voilà, merci beaucoup. Oh non, ça recommence. Alors, c'est encore une histoire de perspective. Push here to open, donc là il faut prendre, à mon avis, bah, de la hauteur. Hein.
Donc on va aller récupérer les trucs. Allez mec, venez, j'ai du boulot pour vous là. Ouais, venez, ouais. Merci, ça fait plaisir. On va faire grimper ça ici, là. Voilà. Hop. Alors, la deuxième barre, elle est où? Ah, voilà. Parfait. C'est... c'est nickel. Ça me fatigue. Vraiment, ça me fatigue. Hop, on pose ça là. C'est parti. C'est quoi ça? Hello. Ouais, salut. C'est mon pote. And I'm just popping in to give you a quick update on where you are. We still don't know, but please keep moving forward and hopefully you prefer frequent updates to being reminded that you are completely lost. Oui, non, mais il m'apprend rien, le mec. Il me dit, t'es paumé. Bonne chance. En gros, c'est ça. What? What? Qu'est-ce que... Ok. Oh là là, il y a une histoire de perspective encore. Oh, je sens que ça va me retourner le cerveau, cette histoire-là. Ok. Ouais, je vois le délire. Ok, la perspective... Ok. Donc, il faut que je freine de la hauteur. Très bien. Là, la porte, là, ça veut dire que je peux pas prendre de... Je peux pas prendre d'objet. D'accord. Ok, pas d'objet. Super. Qu'est-ce que je peux faire, là? Ouais. C'est quoi, ça? L'extincteur, mais qu'est-ce que tu veux? Si tu me racontes l'extincteur là, faut que je trouve un moyen de monter. Je suis sûr que c'est encore un truc tout bête. Ok, attends, c'est bon, l'objet il est là, bah oui. Il est sous mes yeux, l'objet. Voilà, merci, merci beaucoup. Hop. On va le mettre là. Hop là. Monte. Monte, tu sais le faire ça, c'est fou quoi. Voilà. Oh, mais c'est quoi ce délire? Mais t'es mort! C'est incroyable! Il y a eu un bruit de voiture là. What? Attends, il y a une porte là-haut là. Bonjour! C'est moi, c'est le gentil cobaye, j'arrive pas à dormir, je suis insomniaque. Personne? Ok. C'est vachement rassurant ici. Hein. Vas-y, dis-moi que je suis encore perdu! Hello! My name is Dr. Glenn Pierce, and we still can't find you. But you should have access to a series of elevators that should trigger your subconscious to gradually wake you up. You should also find a variety of emergency exit signs that should lead you to them. Will all of this work? Absolutely. Ok, ça marche. Des ascenseurs pour se réveiller progressivement. Bah écoute, on va voir ça, mon pote. L'ascenseur, vous étiez où? Très beau vitreau, oh, la lune, la pleine lune. Donc là, tu vas me dire, c'est un ascenseur, ça. Bon, c'est quoi le délire maintenant, là? Attends, là, c'est un ascenseur, ça. Ça, c'est censé être une cage d'ascenseur. Ok, c'est quoi le délire encore, là? Attends, laisse-moi. Là, c'est censé être une cage d'ascenseur. Ok, très bien. Où est l'ascenseur? C'est la question que... Où est l'ascenseur? Monsieur? Moi je veux bien, hein. D'accord. Il faut un truc pour défoncer ça, non? On est d'accord. Il faut un objet, il faut quelque chose. Ah non, mais je rêve. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. In the event that this elevator does not wake you up, please don't interact with anything that strikes you as psychologically significant, as we will no longer have any way of controlling it. For example, if you see your parents, please punch them in the face as hard as you can and immediately run away. Quoi? Si vous voyez vos parents, mais que... Frérot, qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi ça? Bon bah les gars, je crois que j'ai trouvé, hein. Qu'est-ce que c'est que ça, sérieux?
Incroyable. Incroyable. C'est de la folie ce jeu-là. L'ascenseur, il est pile à ma taille. Faut pas faire un centimètre de plus, sinon c'est mort. Oh, temps de chargement. Même le temps de chargement, il me troll, c'est un truc de ouf. Bon, les amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Cette première partie. J'espère qu'il y aura une deuxième partie, hein. Dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire, laissez un petit like si vous voulez la suite. Et puis on se dit à la prochaine. Salut. Et abonnez-vous. On sait jamais, hein, c'est une chaîne de qualité. Bisous.